C'est ici à Chantilly, ville réputée pour ses châteaux et son hippodrome, que les éléphants de Côte d'Ivoire ont établi leur quartier général pour la préparation de leurs deux matchs amicaux du mois de mars. Pour ce premier regroupement de l'année 2018, la sélection ivoirienne profite d'un cadre magnifique dans cette petite ville de la banlieue parisienne. Après 4 mois de pause, les éléphants de Côte d'Ivoire reprennent du service ici en France avec 2 matchs amicaux. Le premier les opposera au Togo, le deuxième sera contre la Moldavie. Ces 2 matchs auront lieu au stade de Beauvais. Pour ce regroupement, le sélectionneur intérimaire Ibrahim Camara a dévoilé une liste de 24 joueurs sélectionnés. Mais certains ont été contraints de déclarer forfait suite à certaines blessures. Il s'agit de Wilfried Zaha, Maxwell Cornet et Jean-Philippe Bamin. Quant à Yaya Touré, en accord avec le staff, il ne sera pas présent lors de ce regroupement. Les joueurs s'entraînent depuis lundi ici à Chantilly. Dimanche de foot est au cœur des éléphants. On est déjà prêt, oh, dans la tête comme dans les pieds, oh. Mais si le quartier général ivoirien a fière allure, le contexte est tout de même délicat. C'est la première fois que les joueurs se retrouvent depuis la déroute face au Maroc en novembre dernier. Le souvenir est encore douloureux, comme l'explique Eric Bailly. Ça fait pratiquement 4 mois que... on a été éliminé par le Maroc, donc je ne sais pas, il y a une sensation de peine aussi, parce que ce sont des grands rendez-vous que nous devons, pour l'image du pays, être à ce rendez-vous, mais bon, comme on le dit, c'est le foot. Le défenseur de Manchester United veut maintenant avancer et surtout se racheter. On a fait tous des erreurs qu'on doit réparer, mais comment le faire? On doit oublier, comme on le dit, oublier ces choses qui sont passées, l'élimination et tout, et penser à l'avenir. L'état d'esprit est exactement le même chez Serge Aurier. Le but aujourd'hui, c'est de repartir vers l'avant et puis de comme j'ai dit, de redonner des couleurs à Côte d'Ivoire. S'il est conscient du chemin à parcourir, le défenseur de Tottenham reste ambitieux. Notre objectif aujourd'hui, c'est de se qualifier pour la prochaine CAN, mais aussi de gagner la CAN qui sera en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, il faut le préparer. Les éléphants sont donc rassemblés avec l'envie de construire l'avenir. Mais après un nouvel échec cuisant lors du CHAN et au milieu de la crise du football ivoirien, cet avenir est très incertain. Mardi, la FIFA a réuni à Zurich, en Suisse, les différents acteurs du football ivoirien qui se disputent depuis novembre. Mais la réunion n'a visiblement pas permis de résoudre le conflit. Pendant ce temps, à Chantilly, les éléphants travaillent dur, toujours sous les ordres d'Ibrahim Camara. Au sein du groupe, l'ambiance est bonne, mais les joueurs sont appliqués et concentrés. Dans quelques jours, le terrain va enfin reprendre ses droits. Ce match face aux Éperviers du Togo, c'est l'occasion de rebondir, de se rassurer et de relancer une dynamique positive. La sélection dirigée par Claude Leroy reste sur un match nul 0-0 face à Madagascar. La victoire est impérative. Les Ivoiriens démarrent parfaitement la rencontre. Nicolas Pépé ouvre le score et double la mise moins de 10 minutes plus tard. On joue depuis 25 minutes et la Côte d'Ivoire mène déjà 2-0. Mais les Éperviers vont ensuite se réveiller grâce à Floyd Ayité qui réduit le score juste avant la mi-temps. Et au retour des vestiaires, le même Floyd Ayité égalise. Score final 2-0, il n'y aura finalement pas de vainqueur dans cette rencontre. Au coup de sifflet final, les éléphants sont bien sûr déçus de ce score nul, mais retiennent tout de même des éléments positifs de ce match amical. On a fait une bonne première partie de jeu, une bonne demi-heure, pardon. Après, on s'est un peu relâché. Mais bon, après, on est revenu avec de bonnes intentions. Mais le Togo a fait ce qu'il fallait et voilà. On a bien commencé le match en première mi-temps. Voilà, on a posé le ballon, on a la chance de vite marquer. Après, ensuite, on met un deuxième but. Après, voilà, en deuxième mi-temps, on a un peu lâché, on prend un but. Qui nous met un peu dans le dur, mais bon, c'est comme ça, c'est un match amical. Pour un match de repos, c'est pas mal, même si on aurait espéré mieux, mais bon, c'est un nouveau départ.
Philippe Doucet, journaliste pour Canal+, analyse cette rencontre. La Côte d'Ivoire a démontré des choses sur la première période. Ensuite, ça s'est un peu étiolé. Souvent dans les matchs amicaux, c'est pas facile d'être constant sur 90 minutes. La Côte d'Ivoire a sans doute pensé quelque part qu'ils avaient déjà gagné le match. Et un peu trop tôt. Kolo Touré s'arrête également devant les caméras de DDF. Et pour lui, comme pour tous les autres, la clé, c'est de penser au futur. On peut être déçu du résultat, mais le contenu a été bon. Il y a des belles choses. Le contenu a été bon. Le message est donc clair. Il faut maintenant regarder vers l'avenir pour les éléphants. Les éliminatoires de la CAN 2019 arrivent vite. Si la Côte d'Ivoire veut rappeler à tout le monde qu'elle est une grande nation de football, il faudra être performant lors de cette CAN.